prenez une adorable petite fille. Enlevez-lui une ou deux valeurs fondamentales, pas très importantes puisqu'essentielles. Laissez-la macérer quelques années dans sa solitude et vous en ferez la serial killeuse, la plus innocente de toute l'histoire du crime. Un jour, il ne m'avait pas vu. Parce que je sois à l'agence secrète. Sous la table du salon, salle à manger, cuisine, chambre, salle de bain et salle de bouquet. Le water était sur le palier. J'ai pris mon beau sourire innocent de Père Noël. Et on m'a cru. C'est fou tout ce qu'on peut faire gober aux grandes bergères. Le chat qui ronronnait. Et mémé qui ronflait. Ça faisait trembler les murs. Comme mémé était à la retraite, c'est moi qui faisais tout. De la cuisine à la lessive. Vu comme mémé était grosse, rien qu'à laver ses culottes et ses soutiens-gorge, c'était un sacré boulot. Et pour le ménage, je vous dis pas non plus, la mémé... Et mal parti. J'ai mal parlé. Alors elle prenait son médicament. Elle buvait le vin des bouteilles à étoiles. Et ça allait mieux. Ça fait des trous dans l'estomac. Mais tant pis, faut bien mourir quelque chose. Pour les émoustiller et faire durer leur plaisir, je mettais des vêtements serrés pour pas qu'ils puissent mettre la main dans ma culotte. Je portais aussi des soutiens-gorge qui s'attachent par devant, rien que pour les laisser chercher une attache par derrière. Mener dans mes avantages. Ça m'a pris quelque temps avant que je rencontre un ancien boutonneux dont le père était chef d'une boîte. Une grosse boîte? Je l'appelais Doudou. Rapport à comment j'aurais aimé qu'il me caresse. Mais il avait les mains aussi râpeuses que la langue du chat mémé. Poireaux, navets, choux-fleurs, fourges et haricots verts. Une vraie invitation au régime. Alors à la maison, c'était ceinture. Mais il fallait que j'économise encore plus les balles, parce qu'il m'en restait plus que trois. Ce règlement de compte m'a libérée de ma colère. Et bizarrement, il m'a donné envie de courir. Alors j'ai couru. Jusqu'à que je m'arrête. Dans une église, une fois et pas coutume. Alors j'ai réalisé qu'elle pouvait être l'occasion de simplifier mon problème. J'ai fait tourner le barillet, comme dans les westerns. J'ai essayé dans la bouche. Oh, vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je risque rien. Regardez, sur la tempe même. Clic. Sur le sac-gauche.